Bon, nous voilà de retour pour cette suite de l'épreuve Vosseleur. 57e partie quand même. C'est assez hallucinant. Et là, ben, aussi étonnant que ça puisse paraître, on est au bon endroit. J'ai l'impression que l'accès aux grottes de Zertina se fait par la plaine d'Osmon. Regardez, c'est ce truc-là. Ça, là. Cette flèche-là qui pointe vers le... Enfin, je crois, hein. Parce que sinon, il n'y en a pas d'autres, hein, des accès. Laissez-moi l'accès. Allez, on va y aller. On va tenter, hein, tu sais quoi. Je sais pas si c'est par là, parce que j'ai vu qu'il y a plein d'endroits, hein, qui... Des chocobos. Il y a plein d'endroits différents, en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'un chocobo, justement, pour y aller? En fait, les grottes de Zertina... Est-ce que je peux vous montrer, là? Je l'ai gardé. Ouais, regardez. Je vais vous montrer la carte du FF Wiki, regardez. Il y a plein d'entrées différents. En haut à droite, c'est les sables de l'ouest. En haut à gauche, c'est Namienza. En haut au milieu, c'est Ogirienza. Et là, on est tout en bas. Regardez, le Hall of Ardent Darkness. T'as une autre flèche bleue, là, qu'on voit pas. Elle est en dehors de la capture. To Osmon Plain. Et en fait, à Dramel, qu'il est au Arthrosa Quicksand, au milieu, là. T'as vu, il y a un passage secret, etc. Des points rouges. J'imagine que c'est les rochers à pousser pour bloquer les trucs dont je vous parlais... la dernière fois, mais sinon, moi, j'ai la carte du guide. Mais sinon, à part la carte, il parle pas de grand-chose d'autre, hein, sérieux. Le guide, c'est assez ignoble, hein, quand même, pour les grottes de Zertina. Il n'y a pas de cheminement, hein, c'est pourri. Donc, t'es obligé de te démerder, hein. Bon, je vais essayer d'y aller. Alors, voyons voir. Un vaisseau spatial. Non, c'est pas ici. Est-ce qu'on va pouvoir y entrer? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose, là? C'est là? Oui, c'est là! Je pense que ça doit être ça. Foutez le camp, bande de saloperies! Ça, là, ça doit être les grottes de Zertina. On va voir, hein, si on est... Il a essayé de m'arrêter! C'est trop dangereux! On va essayer de voir si on est de taille, hein, et si on va y arriver, hein. Le but d'un premier temps, c'est juste d'avoir Adramelk, hein. Et lui, il fait pas chier, on va bien y arriver, là. Lui aussi, il a des hades. Des ennemis. Des Marissa. Des morts-vivants qui pop. Mais c'est pas au niveau de Zeromus, hein. Leurs stats ont été up, hein, dans la version Zodiac Age. Normalement, ils ont 2500 points de vie, là, ils en ont 4500. C'est un petit peu horrible. Mais je pense que ça devrait aller, hein. Ils vont pas nous casser les couilles, hein. Le plus chiant... Oh putain, ok, d'accord. On a rien. Le plus chiant, c'est d'arriver à Adramelk. Hein. Bon, attendez, je me sers du guide. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose à savoir. Hein. Faut juste aller au nord. Je vais passer par la gauche. Oh putain, bien joué le piège. Je vais me mettre en mode acuité. Parce que là, ça commence. Hein. Cet endroit-là, c'est un petit peu une purge, hein, ça aussi. Donc, on va prendre aucun risque. Des chevaux. Regardez, j'ai eu raison de prendre le truc d'acuité. T'as vu, ils font que de la merde à niveau dégâts. Pour l'instant, ça va. Hein. Mais le problème, c'est après, hein. Les mobs rares, tout ça... T'sais quoi, tant qu'on combat pas, je vais me mettre en mode full défensif. Avec la main gauche et le bouclier. Voilà, ça on aurait dû le faire plus tôt, hein, je pense. Je vais me mettre en mode regain. Je pense que c'est pas dégueulasse, hein, de faire ça. Allez, bien jouer le poison. Je vais me soigner du poison avant de... Voilà, antidote 80 quand même, avant de passer cette porte. Eh ben, il l'a pas fait là? Oh! Non! Il faut que je la modifie. Ça fait chier, putain. Ok, d'accord, je suis Keblo. Il faut que je modifie le... Mais putain, pourtant, je l'ai utilisé l'antidote, là, va te faire foutre. C'est le bouclier et l'arme qui sont maudits là? Ben non. Il faut que je modifie cette merde dans l'inventaire. Bien joué! Enfin, dans le logiciel. Il faut que je modifie la main gauche pour pas que ça bug. Pour qu'elle soit considérée comme une épée à deux mains. Bon allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors, c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est bizarre parce que quand on était... on s'était déjà mis comme ça. Hein, on avait déjà passé une porte avec ce stuff. Quoique...
contre Zeromus, là, on était bien comme ça, non? Et ça buguait pas, hein. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai pris le coup maintenant. C'est pas trop gênant. Alors ouais, je me suis soigné et tout. Au fait, quand on reload comme ça, là, eh bien, je vais te planter! Voilà, ça, là, ces trucs-là, il faut les boucher, je crois. Avec les rochers. Eh bien, ah non, pas lenteur, fais pas chier. Eh bien, elle est bien jouée, comme d'habitude. Eh bien, quand tu relances le jeu, tu quittes le jeu, tu le fermes carrément, et tu le relances, ben, les ennemis qui te coursaient dans la zone, la porte derrière toi, ben, en fait, quand tu l'as refranchi, ben, ils auront disparu. Je crois que c'est ça. Hein. Je me rappelle plus trop, mais bon. Eh, mais attends, on y est, là, c'est quoi ces conneries? Les sables... Mais attends, c'est super simple, en fait. On aurait pu venir ici il y a longtemps. Je vais me prendre un remède. Hein. Casse les couilles avec ça. Ça, là. Ils font des dégâts, hein, quand même, ces trous du cul. Mais en fait, c'est là, là! Attendez, c'est quoi ces conneries, là? Oh, putain! Il n'y a plus de... Il n'y a plus de zone. Hein. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de trucs, là. Hein. Ça va pas du tout. Il n'y a plus de radar. Je me rebuffe comme il faut. Oh putain, c'est là! Mais attends, c'est super simple en fait, il n'y a pas de rocher à pousser, ce genre de conneries! Mais oh putain, on aurait pu l'avoir bien plus tôt en fait! C'est des conneries ces histoires de niveau 70 là. Ouais, sauf que non, c'est un monstre volant, hein, donc il faut allonge. Je vais te tuer! Je suis Astaroth! Un démon en forme de diable, de chèvre. Et voilà. Allez, on y va! Oh putain, les v'là ces saloperies. Je vais tuer un ce connard. Je vais les tuer hein, avant de... Il est où, Adramelk? Putain, le v'là! Ok, d'accord, je croyais que... Mais on va en faire qu'une bouchée, hein. Franchement, si on galère avec lui, il y a des questions à se poser. Ça va être une promenade de santé, je suppose. Normalement, faut utiliser les attaques de glace, hein, encore une fois. Tue-le! Moi, je vais m'occuper des sycophantes. Oula, bah attention quand même. Oh putain, regardez! En un seul coup, il lui a fait des dégâts colossaux, hein. Shumiaza. Et moi, je les touchote, hein, ces trous du cul. T'inquiète pas pour moi, là. Attaque Adramelk, bordel de merde. Oh putain! Il va le tuer en 4 coups, hein, ça continue. Prends sa saloperie. Mais j'ai quand même dégusté, hein. Je vais le purge. Voilà, ben là maintenant on n'a plus le choix, hein. C'est parti. Mais regardez, on le voit pas! Oh, qu'est-ce que c'est? Il fait fulguration. Le truc de foudre. Encore une fois, il est élémentaire de foudre et il craint la glace. Hein. Là, tu fais glace 3, tu niques tout le monde. Hein. Prends ça! Ouais, attention, la cavalerie arrive. Hein. Une barrière physique et ne craint plus les attaques physiques. Oui, c'est vrai qu'il peut se rendre invincible hein, pendant quelques secondes. Et magique aussi. Il faut attendre que ça se passe. Hein. Attention, ils sont trois. Prends ça. Bon, en attendant, on va tuer ces trous du cul. Il faut attendre que l'invulnérabilité prenne fin. Tu te rappelles? Comme avec les c'était quoi? C'était Pandémonium, il me semble, la tortue géante, là. Alors que lui, il peut s'en donner à cœur joie. Hein. Mais regarde, il fait que de la merde, hein, niveau dégâts. Encore que c'est pas un rigolo. Écris un nouveau! C'est parti! T'as vu, ça a pas duré longtemps. Tue-le! Saleté d'ectophrène à la con, là, je vais vous avoir. On s'est enculé! Me faire regain. C'est bien assez balèze, hein, quand même. Le plus chiant, une fois de plus, c'est les hades. Hein. C'est sycophante à la con, là. Prends ça. Mais t'as vu qu'on est pas mal, hein. C'est relativement pépère, comme... Il commence à me gonfler, ces hades, là. Je suis en train de faire une chaîne de ouf avec ça, là. Prends ça. Je vais me soigner, quand même. Je me prends des dégâts non négligeables, hein.
Je vais... je fais l'attaque de ouf, hein, de Shemazai. Prends ça, saloperie. Ouais, franchement, c'est super simple. Je croyais qu'il fallait aller vraiment au fond de la grotte, traverser toutes les zones et de faire des pousser des rochers de partout. Mais en fait, non. C'est juste pour les cibles de contrat plus tard. Hein. On repart, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Ça fait que 10 minutes. Prends ça. Le problème, c'est que là, on est à 9, espère. Et il nous en faut 10, comme par hasard. Hein. Mais là, ça risque d'être costaud. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dégueule des éclairs violets. Est-ce que le radar va revenir? Maintenant qu'on l'a battu. Le courroux. Ah putain, je suis dégoûté qu'il nous en manque que une, quoi. Et les deux sont complètement cheatés. J'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir, hein, de comment... Mais franchement, je pense que zéro mu, c'est plus faisable. Voilà, je bois. Cette région désertique, là, ça me donne soif. Voilà. Franchement, je sais pas si toutes ces espères, ça nous sera utile, hein, au niveau des combats. Peut-être, allez savoir. Je sais pas. J'en sais rien du tout, quoi. Je me soigne. Non, c'est toujours... c'est toujours perturbé, hein, le radar. Faudra m'expliquer ces conneries. Allez, je me casse. Ouais, c'est un petit peu particulier. Oh, ouais, c'était quoi, ça? Alors, fais voir, il est où? Là. Adramelk. Il s'est foutu un petit peu en bas à gauche. Ici, là. 35 pp. Ashmaloum. T'imagines si Zalera, il tue... Hey. Ouais, mais non. Il tue les hads de Zeromus en un coup, j'allais dire. Hey, est-ce que X-Death, il me serait utile, là? Lui, là. Est-ce qu'il... C'est quoi? J'ai presque envie d'essayer ces deux-là, là. Mais on va sauvegarder avant, hein, de prendre les trucs. Allez, je me remets en mode main gauche. Bouah, laisse tomber, ça sert à rien. Par contre, je vais me mettre en mode acuité. On se quitte là. Et je fais le chemin en off. Ouais, je pense. Hein. Je vais... je sors de la grotte, je reviens au temple de Myriam, là où il y a Zeromus, et puis de Maïs. Et puis on verra bien comment ça se passe. Mais j'ai quand même envie de tenter Chaos et Exodus. Et pourquoi pas Femme Frite, hein, j'en sais rien, on verra bien. Au lieu de Shemazai, mais qu'est-ce que ça va changer, sérieux? Ils sont niveau 3, d'accord, Femme Frite et Chaos, mais il a 160 000 points de vie, hein, quand même, ce connard. Ah merde, on peut plus utiliser la magie! C'est vrai, on peut pas utiliser la magie, ça sert à rien d'utiliser Chaos. Hein, mais je me demande si Exodus, sa technique, là, c'est une technique, hein, normalement. Est-ce que Chaos, il a une technique? Est-ce qu'il a été up dans la version Zodiac Age? J'en sais rien, on va essayer quand même. Allez, à de suite! Bon, nous voilà repartis. Alors, ça y est, on est juste avant la salle du boss de Chaos. J'ai fait quelques petits trucs. Je me suis TP ici, là. Et je me suis lancé célérité, vitalité sur moi. Au niveau de l'accessoire, je me suis mis la plume de faisan. J'ai pris le permis aussi. Et j'ai pris le permis de Chaos. Voilà. J'ai mis regardez. J'ai aussi mis les maxi potions en premier. Voilà, on aurait dû aller en racheter d'ailleurs, mais bon. Et on va y aller comme ça. On va tester Chaos, hein, voir de quoi il est fait. Et mais c'est quand tu veux, hein, pour la porte. On va bien voir ce que ça donne. Il nous reste 45 minutes, hein, pour essayer de se le farcir, mais j'ai quelques petits doutes. Le mist, voilà, le v'là. Il est ici. On va voir de quoi il est fait. Hein. Est-ce qu'il est capable de tenir tête et tout. Chaos!
Je te reconnais, c'est toi qui m'as tué. La dernière fois. Oh, 32 000 points de vie. Il a en permanence miroir, célérité. Putain, miroir, c'est abusé, ça. Tu peux pas le buff, en fait, hein, ni le soigner. Hein. Vulnérabilité terre. Il a en permanence miroir, célérité, foi. Et acuité. Ah, tu peux pas le buff, en fait, à moins de le purge à chaque fois. Donc, fais voir, c'est quoi, ça Quoi? Il peut utiliser des objets? Ah bon, depuis quand? Faut voir, technique... Ah ouais, c'est ça, il a bourrasque. Il craint quoi comme élément, lui, déjà, là? Bourrasque et ouragan. Et au niveau des attaques physiques, ça donne quoi, là? Attendez, faut voir. Prends ça. Oh putain! 2800 points de dégâts au niveau du physique. Et fais voir, bourrasque. Ouais, mais il a barrière, fais voir. Fais voir mes couilles, là. Éclat de purge. Éclat de purge sur Zeromus. Eh, c'est quoi ces conneries? Ça fait que de la merde, là, niveau dégâts. Prends ça. Oula. Attendez. Bourrasque sur Zeromus. Ah merde, j'ai oublié de me mettre en mode défensif, je suis con. Mais ça fait que de la merde au niveau dégâts, bordel. Non mais t'inquiète. Tue-le ce connard. Immunité. 4000, c'est quoi? C'est qui se prend 4000 là? Attendez, je comprends pas. Ouais, bah les points de vie, ça. 1000. Prends ça. Oh putain! C'est lui qui fait 4000, c'est énorme! Là, il refait bourrasque, là. Mais bourrasque, j'ai l'impression que c'est pourri, en fait. Hein. T'inquiète, attaque-le. Prends ça. On survit, mais admirablement bien, là. Je comprends pas ce qui se passe. Je vais me virer ce truc de merde, là. Prends ça. C'est le bordel, regarde-moi ça, tous ces mobs. Il se borne à faire bourrasque, là. T'inquiète, on s'en bat les couilles, tue-le, ce connard. Putain, il le bourrine de ouf, hein. En plus, attaque, y'a pas besoin de charger, hein. C'est rapide. Fais voir, bourrasque. Oh putain, 16 000 points de dégâts. Voilà, c'est ça qui... C'est ça qui va pas. Prends ça. Voilà, c'est ça qui est pas bon du tout. Mais il se borne à faire bourrasque, c'est ça qui est chiant, là. C'est pourri. Fais des attaques physiques, c'est mieux, là. Je vais être obligé de le gérer en plus de moi. C'est ça qui est pas terrible. Mais moi, je suis hors de portée de lui. Attention, il faut qu'il fasse que des attaques, il faut qu'il le bourrine. Voilà pourquoi j'ai mis Maxi Potion en premier. Moi, je m'en fous, hein, par contre, il faut que je le soigne, il y a donc, là. Putain, il casse les couilles avec ses bourrasques. Par contre, attention, ça va pas du tout, là. Ils se mettent à l'attaquer. Mais un point de dégâts, j'ai l'impression. Les dégâts, c'est moyen, quand même. C'est pas terrible de ce point de vue-là, malheureusement. Moi, je tank à donf, hein, c'est un truc de fou. Attaque, bordel de merde. Oh là là. Arrête avec ta bourrasque, bordel de merde. Les autres, par contre... Ouais, zéro point de dégâts, hein, j'ai l'impression. En fait, c'est mieux que ce soit lui qui les tank, hein, j'ai envie de dire. Ah, pas sur moi, quel con! Ah, mais lui aussi, putain, mais je fais que de la merde. Lui, attaque, et moi, maxi-potion sur lui. Mais toutes les maxi-potions vont y passer. Hein. Mais ça dure trop longtemps, c'est abusé. Il lui reste plus que 3 orbes. Et non pas Trazom. Malheureusement, ça va pas du tout. Immunité. Ça va pas du tout du cassoulet, là. Prends ça. On en est à plus ou moins à la moitié de ses points de vie. Hein. C'est dommage, on est pas mal, là, tu sais quoi?
Par contre, en vitalité, c'est infini sur moi ou quoi, là? C'est énorme. Qu'est-ce que... Zéromus! On fait que ça, c'est simple! Moi, je fais que maxi potion sur lui, je vous l'avais dit, hein. Et lui, il fait que attaque. Il a combien, là? 19 000 sur 32 000, il se prend bien assez de dégâts, quand même. Ce qui est chiant, ce qui fait bourrasque, quoi. T'inquiète, bordel. On s'en fout, bordel, t'inquiète pas, là. Mais là, on est vraiment pas mal, tu sais quoi? Lui, il entend que certains. Moi, j'entends que quelques-uns. Mais par contre, il me casse les couilles avec ses bourrasques. Mais c'est ouf! Il fait l'essentiel du DPS, là, hein, mais il faudra se remplir les... Oh merde! Il s'est pris des dégâts de ouf. À cause de cette merde-là. Ça, là, gravité 2, hein, irréversible. Ça, c'est pourri, bordel de merde. Il va se prendre des dégâts colossaux. Hein. Regarde-moi ça. Pouah, 16 000 points de dégâts, il va crever. Et voilà. Et voilà. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Quel dommage. Quel dommage, putain. On était bon là. J'aurais même pas pu voir sa limite break. Là, fait chier, putain. C'est dommage, on était bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé, là, d'un seul coup, putain de merde. Gravité de merde, là, putain. Ça fait des dégâts colossaux, c'est abusé. En fait, j'ai l'impression qu'il faut maintenir les persos en permanence au-dessus de... Au-dessus de la moitié de leur point de vie, parce que ça fait la moitié, quoi, c'est horrible. Bon, je vais me reprendre truc de faisant de merde. Là, faut tout refaire, ça qui est chiant, putain! Regardez, se remettre les objets en première position. Réacheter les permis. Se rééquiper, mais cette fois-ci, j'oublie pas de prendre ça, là. Voilà, ça va aller un petit peu mieux, je suppose. Voilà, le plume de faisant mes couilles. Permis, on va retenter avec Exodus cette fois-ci. Peut-être que ces techniques, c'est un truc de fou, hein, je sais pas. J'ai des petits doutes, mais bon. Et donc la plume, ici. Voilà, j'ai pas sauvegardé parce que, avant de faire tous les changements là, parce qu'on sait jamais que j'en ai pas besoin, les permis. Ce serait con de se faire chier avec ça. Allez, je refais comme tout à l'heure, je me mets en ça sur moi. Tout à l'heure, ça a duré très longtemps, c'est un truc de fou, j'ai pas compris. Je me mets célérité. Et même si en fait, j'en ai pas vraiment besoin, hein, parce que je fais que des potions, ça y a pas de temps de charge. Et on y va. On va essayer avec Exodus, hein. Je le connais pas, je sais pas de quoi il est capable, mais bon. On y va! Exodus! T'imagines, il lui fait 20 000 points de dégâts à chaque coup. Je sais pas. Alors, fais voir. Compétences, technique, aérolithe et météore. Inflige des dégâts de zone égaux à un maximum de 30 000. Et oui, lui, il fera toujours 30 000 points de dégâts. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Je vais lui faire éclat de purge. Comme d'hab. Comme d'hab. Dès que je suis à portée, je m'arrête. Oh putain, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi je vais tanker ces trous du cul. Eh, mais dégage! Oh putain, mais il fait des dégâts colossaux, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, je suis en stop! Bon, ben, bonne chance, hein. Ben, tu dois survivre, hein, Jackie. On va crever, hein, c'est pas la peine. Mais j'ai l'impression qu'il est loin d'être dégueulasse, hein. Faut que je voie au moins ses points de vie. Mais là, on est pourri. Hein. Oh, 12 000 What? Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu tester les autres. Hein. Mais nous, on est en stop. C'est pourri. On va crever. What? Regarde-moi ça, les dégâts. Oh non, gravité de mes couilles. C'est sur moi, en plus. Hein. Je suis mort. Connard! D'où, là? Attendez, faut que je me renseigne sur les dégâts de... on va faire... Mozilla, comme d'habitude. Eh, on en est que 25 minutes, t'es sérieux, là?
Les grottes de Zertina. Adramelk. Vous avez fait chier dans FFT là. Alors fais voir. C'est. Merde, il s'appelle comment déjà? Ixodus. Voilà, mais pas le boss cette fois-ci. Faut voir, aérolithe là, c'est quoi le. C'est comète, c'est ça? Ou météore? Non, c'est comète, hein, normalement. C'est quoi le damage calculation de comète? Eh bien, on est d'accord que c'est ça, hein. Je crois que c'est aléatoire, hein, les dégâts. Comète! Fais voir. Recurring spell. Ah, ok, d'accord, faut le scroll. Là. Exodus use comet as his default attack, which does random damage up to Exodus maximum HP. Ah bon? The rare mark Trickster and other chocobo can cast, which hit four targets for approximately depending on the chocobo. C'est quoi The rare mark Trickster? Trickster, Doppelganger. Ouais, c'est lui là, le chocobo. Ouais, c'est celui qu'on avait tué là. Qui arrêtait pas de s'enfuir. Ok. Dose random damage. Ouais, mais comment? Up to Exodus maximum HP. Donc ça fait 16 000, ça peut faire 16 000. Ouais, mais si c'est aléatoire et que ça fait que ça peut faire 1000 points de dégâts, c'est risqué, hein. C'est dommage, j'ai pas pu voir sa résistance et tout là. Tu vois, Miss Translation of X-Death. Hein, Ouais, d'accord, c'est une erreur de translation. Hein, il aurait dû s'appeler X-Death. Hein, tu vois, c'est pas pour rien que je te le dis. Hein. Néo X-Death! On te rappelle, on l'avait tué hein, dans l'épreuve Galouf, l'épreuve sur FF5. Bon! Eh ben, je sais pas, hein. Mais on est sûr que lui, il fera 30 000 points de dégâts. Fais voir sa limite break. Non élémental. Oula, mais c'est pas la même page que tout à l'heure, là. Exodus, entre parenthèses, FF12. Parce qu'encore une fois, il est dans FFTA, dans Revenant Wings, etc. Là. Bon, fais voir mes couilles. Météore! T'es sûr que ça fera toujours 30 000 points de dégâts? Je vérifie ça, hein, après on y retourne. Ouais, c'est ça. Hein. Possibility? Comment ça? Must be immobilized to activate it. The attack can be executed at will. Now able to directly control the Esper. Meteor is the ultimate attack. It deals random damage to all enemies. With the possibility of doing 30 000. Fait chier, c'est aléatoire ça aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée hein, Attendez, je vais au moins faire un truc. Je vais me mettre en mode main gauche et pavois. Et je refais une sauvegarde là. Ça sera ça en moins à refaire, mais tout le reste faudra le refaire. Quoique, je vais aussi. Hein, ils sont partis les autres cons là. Y a plus personne. Oh, où est-ce qu'on est là? On est dans un endroit qui n'a rien à voir. What? Oh. Fuck. Ça va pas du tout ça. Attendez, objet. Il m'a pas remis à l'entrée, hein. Je vais le mettre comme ça. Ouais, et tout le reste, on le fait plus tard. Hein. Ah ouais, mais non, mais tu vois, ça me remet pas. Non! Ça me remet pas à l'entrée, là. Enfin, à la pierre du condamnateur. Ah, c'est là! Je reconnais les deux autres trous du cul. Toucher le portail. Ah, il n'y a plus besoin, là. C'était juste pour activer le portail. Quand on a utilisé la pierre du condamnateur, on est d'accord, c'est là, là. Ok, c'est un petit peu space, mais. Bon!
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, bordel de merde? Est-ce qu'on continue d'utiliser Shemazai? Est-ce qu'on... Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais me prendre ça, là. Est-ce que on utilise lui, avec ses dégâts aléatoires? Est-ce qu'on utilise lui? Lui, franchement, il est costaud. Il a plus de points de vie max, hein, normalement. Et il fait des dégâts fixes à 4500 points de dégâts. Putain, c'est dommage. Est-ce que je peux utiliser bravoure sur lui, là? Avec les éclats. Ouais, mais j'en ai pas, non? Fais voir. Si, si. Justement, j'avais dit que ça servait à rien tout à l'heure. Mais s'il faut... il faut augmenter sa puissance. Ah, peut-être même ça, là! Oui! Ah non, c'est... Oui! Sauf que non. Ça, on peut pas. Ça, il va être immunisé. Hein. Ça va être en immunité. Ah ben, bravoure aussi. Non, 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 les trucs bénéfiques. Mais ça, c'est considéré comme un truc négatif, en fait. On peut essayer, mais franchement... parce que là, oui, ce sera nickel! On va perdre le contrôle, il va être en mode bourrin! Ce serait bien, putain! Mais je pense qu'on peut pas... Ah, merde, il est en miroir! Fait chier, faut d'abord lui mettre purge, ça va lui virer tous ces trucs bénéfiques, là. Oui, non, c'est un item, hein, pauvre con. Alors, où sont les éclats de mes couilles? Les éclats de bravoure. On est d'accord, on en avait 9 là, je crois, non? Mais qu'est-ce que... Mais on en avait bien, putain, là! Les éclats de bravoure. On en a pas? Mais qu'est-ce que... Non, mais je comprends pas. On en avait pas? C'était à vendre dans un magasin? Ah, c'est ça, là. En fait, j'ai confondu avec ça. Ah, merde, putain, il nous en aurait fallu. Hein. Allez, je m'en fous. Attendez, je retente avec... avec Chaosium. Je retente avec Chaos. Je vais essayer de lui faire furie, mais franchement... Ah, c'est dommage, putain. Est-ce que je peux faire sap physique pour baisser la défense de l'autre connard, là? C'était ça, là. Ouais, ouais. Bah, je vais le faire, tu sais quoi. Mais ça m'oblige à m'approcher de ce connard. Je vais me reculer tout de suite après. Ouais, 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 c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas une mauvaise idée, tu sais quoi. Bah, je me mets en vitalité. Parce qu'après, on pourra plus, hein, encore une fois. Je me mets en mode... Ça... On pourra y célériter et on y va. Parce que malheureusement... je suis presque tenté de l'invoquer maintenant, Chaos, mais bon. C'est un peu risqué quand même. Bon, première chose à faire, j'invoque Chaos. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sape mes couilles sur lui, là. Éclat de purge. Ah, fait chier. Ouais, parce qu'il est... Ouais, ouais, c'est clair. Pour lui virer bouclier. Et après, je lui mets sap. Sapuro. Ouais, pas bourras ce qu'on a dit, pauvre con, là. Eh ! On attaque sur lui. Ouais, je reste à la distance maximum. Regardez, je fais ça. Ensuite, compétence, technique, sap physique sur lui. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Prends ça! Oh, je l'ai raté. Non! Ça peut rater cette bouse, putain, mais c'est de la merde, là! Oh, putain, bien joué, je suis en lenteur. On est déjà pourri, là. Hein. Prends ça. Mais ça rate, c'est de la merde! On est pourri, là, hein, déjà. Je vais me mettre en remède. Pas la peine d'utiliser Fury sur Chaos, hein, je sais que ça va pas marcher. Mais il fait chier avec sa bourrasque là. Je vais désactiver ses gambits, tu sais quoi. Mais le problème c'est que... Parce que là, à mon avis, il va faire que attaquer. Mais le problème c'est que... Regardez, il fait que attaquer, c'est nickel. Voilà, il va faire que ça, il va le bourriner à donf, enfin j'ai pas besoin de le gérer. Mais le problème c'est que si il arrive à terme de ses orbes, eh ben...
Ça c'est une bonne idée. Oh putain, il est qu'à 23 000, c'est quoi ces conneries là? Il faut à tout prix le maintenir à plus. Putain, il a fait deux fois de suite mes couilles là! Espèce de connard! Il a fait deux fois de suite météore de merde là! Gravité à mes couilles là! Putain, mais il va te faire foutre, sérieux là! Gros tonnerre! Oh putain, il met célérité sur tout le monde. Il a attiré les dégâts de tout le monde là. Là, il est costaud. Hein. Oh non, c'est quoi ça? Je vais utiliser que des maxi potions sur lui. Il faut le maintenir au-dessus de 16 000. Hein. C'est une évidence. Oh putain, la vache, les dégâts! Il est déjà à la moitié. C'est quoi? Je crois que c'est comme ça qu'on va finir par l'avoir. Mais quel dommage que je peux pas le mettre en sap. Comme par hasard, ça marche jamais sur les boss, là, les combats les plus importants. Et ça va fonctionner sur le premier trash mob venu, là, espèce de connard. Putain, c'est énorme, regardez. On fait que des parades. Grâce à... Mais moi, je vais faire que ça, j'en ai rien à foutre. Grâce à... Ah putain, c'est quoi ça, barrière bouclier, là? Je vais être obligé de le refaire purge. Heureusement qu'on a des éclats, hein. Voilà, c'est ça, ça se fait chier quand même. Oh merde, poison! Non! Il a refait gravité mes couilles! Ça, c'est horrible hein, quand même. Faut que je le soigne à donf. Putain, fait chier, c'est horrible cette attaque! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça là? Quoi, il y a vers moi ce connard là? Eh oh! C'est quoi ces conneries là? Ça va pas du tout! Non, pas lenteur! Non! Oh putain, c'est de la merde! Bon, au moins, remettre, ça va me soigner des deux. Hein. J'aurais dû le mettre en deux... Non, pas sur lui! Putain, mais c'est pas vrai! Oh là là, tellement l'habitude. J'ai fait remettre sur l'esper, ça sert à rien, crétin! Perds du temps avec ces conneries, bordel de merde. Je vais crever si ça continue, là. Moi aussi, il faut que je me buffe de ouf, hein. J'ai plus vitalité. Oh là là, non! Pourquoi il m'attaque? C'est à cause de la... C'est à cause de la... Putain, il m'attaque, ça fait chier! On va crever, bordel de merde! Je peux pas gérer les deux persos en même temps. Hein. C'est... Oh putain, il a plus de points de vie, c'est nimp. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est à cause de la... mes couilles. Hein. Je crois que j'ai paré son attaque de ouf. Oh merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Il est mort! Il lui restait rien en point de vie. Mais putain... Mais putain... Oh non, on y était presque, fait chier. J'ai pas compris ce qui s'est passé. T'es pas sérieux là, oh. Il y a un moment, faut arrêter. Il manquait rien! C'est simple! Si seulement je pouvais faire bravoure sur lui, où est-ce qu'on peut trouver des éclats de bravoure? Je suis sûr que trois fois ça suffirait, hein, d'avoir trois éclats de bravoure. Où est-ce que je peux en trouver, putain? Comment ça s'appelle? C'est pas shard, hein, en anglais. Il le faudrait, hein. Rien qu'au début du combat, il va le sentir passer, hein. C'est bravery! Comment s'appellent déjà ces objets de merde? FF12, bravery. Obtenez bravery and face. Ouais, les spells, je suis au courant, mais... Est-ce qu'il va en parler, là? Bravery ability. Quickening, Ashmal, chest, clan, green magic... C'est pas Shard, hein, c'est un autre, c'est un nom à la con, putain. Bon. List of FF12 items. Équipement and item. J'espère que ça existe, hein, mais normalement, oui. Domaine Calvados. Value 10, trésor. C'est ça?
Ah, Moth! Voilà, c'est ça. Dark Moth, Aero Moth, etc. Ah, mais en fait... Baltoro Seed? Grant all positive status, aside from decoy, reflect and berserk? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement cheaté, ce truc! Baltoro Seed. Bon. On va se contenter de ça, hein. Quoique... Attendez, je sens qu'il y a une arnaque là-dedans, là. Baltoro Seed. Original content spoiler. Oh putain, c'est exclusif à la version Zodiac. Mais c'est complètement cheaté, ce truc. Ça peut être stolé auprès des pots magiques. Je vous l'avais dit que... qu'il y en avait. Il y a des chests qui peuvent l'avoir, mais il y en a que un qui se régène. Il est au step de Serobi. C'est complètement cheaté, ce truc. Hein. Bah, tu sais quoi, j'ai envie d'y aller. Et donc, l'autre, c'était quoi, là? Domaine, je sais pas quoi, là? Domaine. Domaine Calvados. On va aller dans le Calvados. Et sur les côtes de la Manche. Ah, lol! Ok. Il me parle de plein de trucs, là. Je suis obligé de préciser FF12. Ouais, je sais, mais c'est où? Fais voir, farming, là. En plus, c'est des trucs récents, c'est génial. Is there a chest of enemy? Look for spirit of lowdown. Free chest with 22% de chance d'en avoir. Ça que je voulais. J'aurais voulu la même chose pour le seed. You get 5 for completing level 20 in trail mode. Level 20, ça a pas l'air infaisable, hein. Mais bon. C'est le trial mode, hein, le mode défi. On en obtient 5, ce serait suffisant, hein. Game FAQ. Look for Spirit of Lowtown. Fais voir. Ah, oh, fais chier avec ça, là. Eh ben, il n'y en a pas, là. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, là? C'est quoi ce Spirit of Lowtown? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai l'impression que c'est l'autre nom de... Quoique... Ah ouais, c'est un autre nom pour Domaine Calvados. Ça a été rename, faut croire. Et le problème, c'est que... Il y en a Pharos. Est-ce que des drops? Des rivers? En rare drop, c'est horrible, hein. Et sinon, regardez, chest. Barheim, Balfoneim, Feywood. C'est quoi, Ovral? Trigger... Gilvegan. Nabrius. Initial Venturi x12 Redas, lol. Bon, ben écoutez, j'ai envie de... C'est quoi déjà le... L'autre là. Je vais garder ces deux trucs en mémoire, tu sais quoi? Le Balboro Seed. Ça là. Ça peut être stolé avec les pots magiques. Et sinon, ça, je vais me renseigner. Hein. Écoutez, soit je vais en prendre 4 ou 5. Hein. Je vais essayer de farmer. Je vous laisse là. On va le faire en off. Je vous rendrai compte de mes pérégrinations comme d'habitude. Hein. Soit on va farmer les Baltoro Seed, mais c'est un petit peu cheaté quand même ce truc. Soit, mais ça lui mettrait Ast et Protect en même temps. Et Regen. C'est les seuls trucs qui m'intéressent. Hein. Et Bubble, Vitalité. Parce que là, ce qui fait chier, c'est que je vais être obligé de d'abord lancer Purge sur Chaos pour enlever Miroir, parce que c'est complètement pourri, ce truc. Non, non, on s'en fout, j'ai dit. C'est des items. C'est pas affecté par ça. Hein. Là, le seul truc qui m'intéresse, c'est de lui mettre... Franchement, si on lui met Bravery plus... Hâte en même temps, c'est énorme. Hein. T'imagines les dégâts qu'il va faire. Et là, t'imagines, ça marche pas, les objets. Ça lui fait...
Ça lui fait rater, lol. Mais c'est dommage que j'ai pas pu lui faire sap mes couilles, il faut que je me renseigne sur ça aussi, pourquoi ça rate. Écoutez, je vais essayer de choper quelques éclats de bravoure, et on se retrouve juste après, c'est parti. Bon, nous voilà de retour. Alors, j'ai fait quelques pérégrinations, effectivement, avant de me rendre compte que, en fait, l'objet, on l'avait déjà en 14 exemplaires dans l'inventaire. Mais j'en ai farmé un, du coup. Et quand j'ai vu le nom, je me suis dit, ah quoi, putain, c'est ça! Mais oui, ça me dit quelque chose. Regardez, c'est ici. Voilà, c'est le Hall des Faubourgs. Ça vous a peut-être. Quel nom à la con quand même. Ça vous a peut-être fait tilt quand. Peut-être vous le saviez. Hein, et vous me disiez, mais non, pas besoin de partir, on en a plein. On avait passé un nombre incalculable de temps dans l'inventaire et on s'en était pas rendu compte. Bah oui, c'est ce truc, hein, c'est. On en a 15, du coup. C'est largement suffisant. Oui, j'avais décidé de partir aller farmer ce truc, hein, celui qui donne uniquement bravoure. Et en fait, bah, je suis retourné au le passage de Bahreim. Voilà, en fait, faut faire comme si on allait affronter Zalera. Et déjà, pour sortir d'ici, c'est pas évident, hein, effectivement, les faucheurs ou je sais pas quoi, là. Pour sortir de cet endroit-là, le TP, et revenir à l'entrée, ils font des dégâts colossaux. Hein, c'est tendu, hein, je me suis fait tuer. 5 ou 6 fois à cause de ces trous du cul. Et ensuite, je vais vous montrer la map. Je me suis TP au passage de Bahreim, il est. Où est-ce qu'il est? Voilà, là, là. Je vais vous montrer où c'est exactement, parce que c'est pas évident. Donc voilà, je me suis TP là, là. Ensuite, on traverse ça, on passe par ici, on va là. En fait, faut comme si on allait affronter Zalera. Voilà, c'est ici. C'est Nouvelle Galerie Ouest. J'ai fait des allers-retours entre là et là. Voilà, pour le passage. Là, vous voyez le truc de gauche. Ou celui du milieu. Et le coffre que je l'ai trouvé en dernier. Hein, faut croire, j'ai ouvert tous les autres coffres un par un. Pour voir s'il y a cet objet, ça veut dire que c'est pas celui-là, etc. C'est soit un éclat d'air, mais il y en a un autre qui contient un éclat d'air. Il y en a deux. Et enfin. Au bout de. Sinon, c'est des giles. Et j'ai fini par trouver cet objet. Je me suis dit, ah putain, c'est celui-là. C'est le coffre qui est ici, là, vous voyez, dans au milieu, là. L'espèce de barre droite. Si vous le cherchez, bah, c'est celui-là. L'espèce de trait droit, là. Il y a un coffre tout au bout. Et il y a une espèce de grille, etc. Et c'est celui-là qui contient le hall de mes couilles. Donc, si on veut le farmer, bah, c'est ici qu'il faut aller. Mais là, on en a une quinzaine, donc autant dire que ça va aller. Bon, allez, je me reprends les permis, tout ça. On va prendre Chaos. Voilà, on va vraiment. On va refaire cette même technique. Je pense que ça peut aller. Il reste plus que 10 minutes. C'est un peu ignoble. Je vais me mettre en mode. Vitalité et tout ce qu'il faut. Donc là, je rappelle ce qu'on va faire. Dès que j'aurai franchi les portes, je vais faire maxi potion. J'aurais pu aller en racheter, mais bon. Sur Chaos, essentiellement. Moi, si je me fais toucher. En premier lieu, on va faire ça là, sur Chaos. Et on va désactiver ses gambits, etc. Hein. Je pense que là, franchement, on est pas mal. Faut arrêter la connerie quand même, là, on va avoir un perso de bourrin, là. Attends, je me rapproche quand même. Voilà. Faut que je le mette en purge. Hein. Invocation, Chaos. Je le mets en bravoure. Je fais purge sur ce trou du cul, et on y va. Hein. Je désactive ses gambits, attaque. Sur Zeromus, là, on le sait, dès le début, ça va aller. Hein. Moi, je fais, voilà, ce truc-là, elle, des faubourgs, on va peut-être en utiliser 3 ou 4, j'en sais rien. Voilà, il est en foi, mais ça lui sert à rien. Voilà, bravoure, splendide. Sauf que là, il me target. Hein. Oh non, pas stop! Quel enculé! Il me fait stop sur moi, là, ça va pas aller. Purge. On a eu d'autres objets, hein. On a eu le Vésuve, je sais pas quoi, un flingue. Hein. C'était un coffre unique qui repop pas. Dans le mécouille, là. Oh, il fait 4000 quand même. Hein. 5004! Voilà, il me met en stop, mais je m'en bats les couilles. Regardez! Je devrais pouvoir survivre, quoique.
Regardez, il fait 5000, hein. 5500, tout ça, c'est énorme. Ouais, mais là, comme par hasard, il me bourrine de ouf. Hein. Je vais pas pouvoir survivre, hein. je n'esquive plus les attaques et tout. Oh putain, c'est n'importe quoi. En plus, comme par hasard, il est venu vers moi, donc gravité mes couilles, là, ça m'a touché moi aussi. Hein. Putain, mais c'est bidon, bordel! Ça augmente pas tant que ça, hein. Le... Bravoure, Bon. Je me refais tout ce qu'il faut. On y va à la porte, hein, y a pas de problème, hein. Quand tu veux, Jackie. Voilà. Sauf que, non, je n'ai pas oublié. On va se reprendre ces conneries. Je pense que ça peut être pas mal, hein, tu sais quoi. C'est ultime. Plume de faisan pour se soigner. Parce que parfois, il fait des dégâts colossaux, hein, cet enculé. Oui, tu peux te virer ça aussi, on a dit. Voilà. C'est bon, là, va te faire foutre, on va bien y arriver, putain de merde. C'est un peu relou de refaire ça à chaque fois, mais bon. Si jamais on n'y arrive pas comme ça, ben faudra utiliser les PP pour autre chose. C'est pour ça que je... Allez, Mist, Invocation, Chaos, et on y va. Je pense franchement que c'est le plus puissant au niveau physique. Gambit! Quoi? Aldi Faubourg, sur lui. Voilà, cette fois-ci... On est mieux là, non? Éclat de purge sur. Sur cet enculé! Hein, comment ça? La cible de chaos est trop loin du leader. Je me suis trop reculé. Faudrait peut-être essayer de le mettre en poison aussi, je sais pas. Putain, c'est où éclat de purge? Fais pas chier là. Allez, on y va. Ah, mais putain, il me retarguette là, je comprends pas! Pourquoi il me buff de ouf, là? Voilà, il me focus. Voilà, c'est bon. Ah, enfin! On est bon, là. Regardez Chaos, il s'en donne à cœur joie, hein. Bam! DPS de malade, hein. Des éclats de vitalité, j'en ai, là? Ouais, j'en ai deux. Ah! Est-ce qu'il faudrait que je le fasse sur... Ah, putain, j'hésite. J'aurais dû aller farmer les graines. Putain, je suis en lenteur, c'est quoi ces conneries, là? Bien joué! Il m'a viré, Remède. Encore une fois, c'est pas super utile, mais bon, quel con. Je l'ai encore refait sur Chaos. Attends, c'est quoi, là? J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Remède sur moi, mais normalement, ça devrait aller. Ah, voilà ça, là! Putain, je m'en doutais. Bizarre, hein. Brut. Oh putain, regardez le DPS. Ouais, attention, 16 000. Ouais, là, à partir de maintenant, faut commencer à soigner Chaos de ouf. Prends ça. Putain, mais je rêve où il me poursuit, ce trou du cul, là. Mais putain, va te faire foutre. Faut que je m'éloigne de ouf. Là, faut le maintenir... Putain, mais il fait chier, là. Il me balance des... Je me prends des dégâts de ouf, là. Je comprends pas ce qui se passe. Mais Chaos, il fait le taf, hein, y a pas de problème. On a failli se faire tuer. Je comprends pas ce qui m'arrive, là. Je me prends des dégâts de ouf. C'est quoi, ça, bouclier? Chaos. Oh, putain, faut que j'aille de l'autre côté, là. Ah, putain! Il nous a touchés, nous deux, hein, ça va pas du tout. Mais je vais soigner en priorité. Je me suis trop approché, je fais le con. Mais je les confonds, ces deux trous du cul, là, aussi, là. Et puis il arrête pas de se mettre entre nous deux! Culé, va! Je sais pas pourquoi il me poursuit, là. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dégueulasse. Hein. Oh non, c'est quoi ça? Qui c'est ce fils de pute qui me fait ça, là? On va crever si ça continue comme ça, là. Mais Chaos, c'est pas compliqué. Hein. Putain, plus que 163, dépêche-toi! Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, je m'étais soigné, là, va te faire foutre, putain! Quelle lenteur de merde! Culé, va! C'est n'importe quoi, bordel!
Allez, plus que 5 minutes, bien joué. Putain, ça me casse les couilles de refaire ça. Putain, mais on a mérité 1000 fois de le... Je comprends pas, là. On s'est pris des dégâts colossaux, putain. D'où, putain, je me fais toucher comme ça, là. Il faudrait qu'il soit target sur Chaos, putain. Aïe, je me suis frappé la jambe. Bon. Au lieu de taper sur mon bureau, pour une fois. Bon, c'est bon, là, va te faire foutre, fais pas chier, la putain de merde. Faut voir la truc magique. Zéro. Ah bah putain, on risque pas hein, de parer les attaques magiques. C'est un petit peu bizarre quand même. Célérité. Mais on n'a pas eu de chance, on s'est pris lenteur dès le début. Ça aussi, ça m'a bien cassé les couilles. Je suis à deux doigts d'invoquer Chaos maintenant. Mais c'est une brute, hein, il rigole pas. Ça va devenir notre nouveau main. Non, ça m'étonnerait. Hein. Là, c'est juste que chez Maza, il tient pas la cadence. Hein. C'est complètement con, mais bon. Attendez, je m'approche. Voilà. Allez. Bizarrement, c'est Chaos hein, qui est le mieux hein, pour ce combat. Mais on va l'avoir, y a pas à chier. Hein. Gambit. Et moi, de mon côté... Hal des faubourgs. Faut le remettre sur Chaos hein, dès que l'effet s'est estompé. Il faut... Putain, mais il m'énerve à me... À me target, là. Il faisait pas ça au début, putain. Purge. Prends ça. Tiens, prends ça, Vosseleur. Je vais t'apprendre. Non ! Fous-moi la paix ! Tu vois bien que c'est pas moi qui te tape, là. T'as rien à craindre de moi. C'est dommage qu'on ait pas éclat de regain. Ah, faut que je vais vérifier. Ça, on en a tellement, là. Non, j'ai l'impression qu'on n'en a pas, là. Ravage, Exilo. Ça se trouve, ça s'appelle un autre nom. Hein. Mais ça, il faut le remettre sur Chaos dès que c'est fini. C'est bon, là. Mais putain, follow the leader, Monkey Man. Je sais pas pourquoi il fait une fixette sur moi, là. Allez, un petit gravité qui fait plaisir. Lui, pour l'instant, il est full PV. C'est te dire que... Mais putain, pourquoi ? Pourquoi cet enculé me mes couilles, là ? Focus de ouf, là. Il en a rien à foutre de Chaos. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est incroyable ! J'en reviens pas ! Ouais, comme par hasard, Chaos s'est fait toucher quand même, hein, faudra m'expliquer. Hein. Je suis obligé de le target. Oh non, pas célérité! Faut que je le purge. Culé, va. Là, je cherche pas à comprendre, on y va. Dépêche-toi, bordel de merde. Mais c'est pas possible, putain! Attends, je suis suffisamment loin de Chaos, hein, il devrait... C'est tendu du fion. Protection ? C'est quoi, ça ? Non ! Il se fait barrière, bouclier, tout ce qu'il faut, là. Putain, je vais pas... J'arrête pas... Putain de merde ! Regarde les points de vie de Chaos. C'est horrible. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi il fait une fixette sur moi, bordel de merde ? Faut que je mette Chaos à plus de 16 000 points de vie. S'il se prend gravité 2 mes couilles, là, il va crever. Hein. Oh putain, encore 2, je dirais, là. Célérité 2. Oh putain, la vache. Est-ce qu'il est toujours en bravoure? J'ai pas vu, là. Je dois faire tellement de trucs, c'est un truc de fou. Hein. Allez, je me soigne moi-même. Non, il est plus en bravoure. Hein. Faut le rebuff. Hein. Putain. Et on y va! Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Purge sur lui, là? Attendez, on va le faire par le bas. Oh merde, ça fait une heure! Putain, mais arrête tes conneries, là! C'est quoi, ça? Heureusement que je suis en mode parade de ouf. Hein. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, sur lui! Purge, c'est au moins 20 fois que je le fais, je vais plus avoir d'objets si ça continue. Ah putain, regarde-moi ça, là! Il est full buff, c'est n'importe quoi, sérieux. Prends ça! C'est quoi ces dégâts de ouf que je me prends, là? Oh, merde.
Lui aussi, il est dans la merde. Régulièrement, il fait cette attaque de ouf, c'est assez horrible quand même. Va te faire, espèce d'enculé. C'est tendu du fion, là. Non ! C'est quoi tous ces dégâts ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est ? D'où ? Mais putain, mais c'est de la merde ! Oh, il avait plus rien. Putain. Mais d'où il s'est fait tuer, là ? Pourquoi ? Oh, je suis dégoûté. Bon, allez, je vous laisse. De toute façon, ça faisait une heure. Je suis deg. C'est n'importe quoi. C'est pourri. J'ai pas compris. Mais je pense qu'on a la bonne technique. Je suis dégoûté de pas avoir pu balancer sa limit break. Hein. Mais le problème, c'est que je peux faire qu'une seule action par une. Hein, je veux dire, le fait de faire ça, je peux pas le faire à la chaîne. Hein. Ça s'utilise automatiquement, oui, mais regarde, tant qu'il y a ce action de merde, je peux pas refaire une action, hein, justement, c'est le cas de le dire. Bon, allez, on se laisse là, on réessaye la prochaine fois, et j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Fait chier.